J'aimerais bien retourner en arrière de temps en temps. Moi, c'est Mtoro Chamou, je viens de Mayotte et je suis musicien, chanteur-guitariste. Quand j'étais jeune, qu'il fallait aller chercher les fagots à la campagne tous les 2 semaines. C'était rigolo, à la fois on n'aimait pas ça du tout, mais aujourd'hui quand je regarde tout ça, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs. J'ai mon deuxième chez moi, c'est à La Réunion. C'est une île magnifique. J'aime bien aussi leur façon de voir les choses et leur façon de mettre leur culture en avant. J'adore le Maloya. Le Mtsolola, un plat à base de bananes et poissons ou bien viande de bœuf, les tomates, les oignons et tout ce qui va avec dans la même marmite. Je crois que je ne sais pas. Je ne vais pas dire n'importe quoi, en fait, j'ai jamais compris. Ah, être mort, c'est ce que vous voyez là. Vous voyez bien, je suis joyeux, je suis content, je rigole tout le temps. Et c'est pour ça que des fois, quand on parle des choses qui sont pas bonnes chez moi, ça me fait mal au cœur parce que je sais que c'est une île très calme. En tout cas, c'est les souvenirs que moi j'ai. Eh bien, mon grand frère, Bako. Certains artistes, ils ont des idoles. Il y en a qui disent, ah, moi, Bob Marley, ah, moi, c'est Michael Jackson. Mais moi, c'est Bako. Il vient de Mayotte. Et j'adore ce qu'il fait. Et j'ai appris pas mal de choses avec lui. Et le mec, il est toujours là. Il se bat pour que la musique mahoraise se fasse connaître. C'est pas la première fois que je viens ici. Je commence à me sentir un peu chez moi. Et merci beaucoup pour ça.